Ce sont les stars des soirées chics. Les cocktails en tout genre sont de plus en plus demandés autour des comptoirs. Alors les barman ne cessent d'innover et créer chaque année des nouvelles recettes afin de satisfaire tout type de clientèle. Alors pourquoi pas apprendre à faire ses propres mixtures ? Bien loin des bars animés, un atelier éphémère s'est mis en place au cœur du jardin de la distillerie Longteau. Ce même barman s'est alors transformé en professeur ce mercredi. Objectif, permettre à chacun de réaliser ses propres cocktails chez soi. Il y a beaucoup de personnes, c'est déjà arrivé que beaucoup de clients me demandent comment ils doivent refaire le cocktail chez eux. La plupart du temps, c'était des cocktails relativement un peu compliqués parce que c'était avec des émulsions, c'était avec des infusions particulières, c'était des sirops maison. J'ai essayé de leur expliquer comment refaire le cocktail à la maison. Mais voilà. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est des cocktails beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à faire. Et c'est pour ça qu'on a créé cet atelier pour proposer le Mara Tonic ou Mara Ginger aux clients pour qu'ils refassent chez eux parce que c'est un cocktail frais, désaltérant et surtout facile à faire. Au menu du jour se trouve alors le Maratonic, un cocktail à base de jus de maracuja. Et après la démonstration, place à la dégustation. Alors je suis venue ici pour apprendre à faire des cocktails, puisque je n'en fais jamais. Donc c'est l'occasion avec des amis et puis pour moi aussi, pourquoi pas. C'est un carton plein donc pour le Maratonic, dont la recette devrait bientôt se faire connaître de tous les apprentis barman.